Alors le Cruzat 2011, alors moi c'est un ski qu'on a testé déjà l'année dernière, vous pourrez regarder notre test 2010. Jérôme l'a testé, c'est un ski qu'il ne connaissait pas, donc ça va être son tempérament cette année, c'est un ski qui reste inchangé, mais c'est intéressant d'avoir son point de vue, vous pourrez consulter comme ça nos deux tests. Donc un ski que j'ai trouvé, que je viens de tester sur neige dure et sur piste, et assez étonnamment, malgré ses côtes assez larges, 90 au patin pour les 179, une très très bonne accroche sur neige dure et très bonne tenue à grande vitesse malgré la spatule Venturi qui ne bronche pas, qui ne vibre pas. Vraiment un coup de cœur pour moi comparé à mes... Je pense que le rayon, tu n'as pas parlé du rayon, ce qui est assez impressionnant pour ces skis, c'est toujours pareil d'avoir un ski si large et qui tourne si court. Est-ce que tu as ressenti un peu cet effet? Il est à 15 mètres de rayon. Et c'est vrai qu'il tourne comme un ski de piste, vraiment très court, quoi. Assez bluffant. Je sais que tu skis avec les missions, par rapport aux missions. Comparé aux missions, je dirais presque une meilleure accroche. Et un ski qui vraiment ne bouge pas. Le mission aurait peut-être tendance à grande vitesse, à légèrement... Mission 2010. Mission 2010, oui. Mission 2010, qui peut-être flapperait un peu de la spatule. Celui-ci, vraiment, il ne bronche pas. Merci.